Coucou mes petites âmes éveillées, je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Oh, je vais inviter Lou tout de suite, comme ça c'est fait. Alors attendez, j'ai un véritable problème avec les lives. J'en fais au moins une fois par mois et à chaque fois je me pose la question, où est le bouton pour inviter les gens? Bonsoir tout le monde. Allez, je crois que c'est par ici. Je vais y arriver. Si, c'est ça. La pauvre Lou, elle doit me regarder, elle doit se dire, mais si, Cindy. C'est un live en duo avec Lou. On va parler de la conférence que l'on a prévu de faire, qui va se faire en septembre et en octobre prochain. Alors, je vais réajuster du coup le téléphone. Attends, hop là, ça va? Oh, mais quelle belle invitée je reçois ce soir. Je ne vous connais pas, Lou. Racontez-moi tout. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas du tout. Alors, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, on est meilleurs amis. Voilà. Donc, du coup, on s'est vu hier, on parle toute la journée. Donc, on sait à peu près où on en est aujourd'hui, chacune dans nos projets. Alors, bonsoir tout le monde. Il y a plein de monde qui arrive. On n'a pas de modératrice ce soir ou de modérateur. Donc, si quelqu'un est motivé pour faire le modérateur, mais bon, sinon, voilà, on a confiance en vous. On sait que ça va bien se passer dans la bienveillance toujours. Donc, on est là pour parler alors, de trois choses. De la conférence que l'on va donner donc en septembre, 30 septembre et 1er octobre. Ensuite, on va parler de ta nouvelle formation qui est en train de sortir. Ça y est, c'est l'accouchement. Demain, elle sort officiellement. Et je parlerai un petit peu aussi de ma masterclass. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'y passer 3 heures. On va essayer d'aller droit au but et de répondre à vos questions si vous avez des questions. Donc, je vous invite à poser les questions dans la boîte à questions. C'est ce qu'il y a de plus simple. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin d'être dans les commentaires, de remonter, de redescendre, parce que c'est un peu compliqué à gérer. Donc, merci d'être là, vous êtes déjà super nombreux. Donc, on commence, on y va, on fonce, on va parler de la conférence. Qu'est-ce que tu en penses, Lou? On parle de la conférence, non? Ce que vous voulez, ce que tu veux, ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils ont des questions? Est-ce que vous savez déjà qu'il y a une conférence? Parce que moi, je suis allée à la conférence d'Olivier Madelrio il y a 2 semaines. Et en parlant avec les gens, parce qu'il y avait des gens qui avaient été invités par Olivier, des abonnés, mes propres abonnés ne savaient pas qu'il y avait une conférence. Donc, je me suis dit, il y a un problème de communication. S'ils ne savent pas qu'il y a une conférence, c'est qu'il y a un problème de communication. Donc, on vous informe, si vous ne le saviez pas, que l'on fait une conférence, Lou et moi, le 30 septembre prochain, 1er octobre, samedi, dimanche, c'est sur un week-end et c'est à Alicante. Pourquoi c'est à Alicante? Je vous l'explique à chaque fois. C'est parce que la moitié du job, la moitié de ce que vous allez vivre en fait au cours de ce week-end-là, c'est le fait de venir. Parce que c'est toujours cette histoire de subconscient qui dicte nos pensées, nos actions, nos résultats. Votre subconscient, il n'a pas du tout envie d'aller à Alicante parce que c'est loin, parce qu'il faut s'organiser, parce que c'est compliqué, parce que c'est dans longtemps. Mais le job, justement, c'est de dompter votre subconscient pour aller vers la vie de vos rêves. C'est ce que je vous explique tous les jours. Donc, au cours de ce week-end, déjà, le 50% du job, c'est de venir. Et l'autre 50%, c'est ce que vous allez vivre avec nous, qui va être, ça va être en avant, en après, de toute façon, parce que moi, j'en ai fait des conférences en tant que participante et je peux vous dire que ça a vraiment changé ma vie, vraiment. La première, je l'ai fait en mai dernier, la deuxième, je l'ai faite en février de cette année et la troisième, je l'ai fait il y a 2 semaines. Et véritablement, c'est des événements qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie parce que vous ressentez les énergies. Ce n'est pas par écran interposé, ce n'est pas je lis quelque chose, je vois un documentaire. Non, là, quand vous êtes dans le truc, vous le vivez, vous l'expérimentez. Et parfois, on oublie que c'est super important justement d'expérimenter dans cette vie. Il faut se déplacer, il faut aller vivre le truc. C'est un week-end pour vous, sans enfant, sans mari, sans femme, et que pour votre développement personnel en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au cours de ce week-end? On va parler, hein, bien évidemment, de loi de l'attraction. Je vous montrerai des vidéos différentes de celles que j'ai pu vous montrer jusque-là ou dans les masterclass qui montrent un petit peu des preuves scientifiques. Vous savez que j'adore utiliser la science pour démontrer à votre subconscient que la loi de l'attraction fonctionne bel et bien. Donc, il y aura des vidéos, il y aura des méditations guidées, bien évidemment. Hein, je ne vais pas vous laisser comme ça. Allez, méditez, ce sera des méditations guidées en direct. Vous aurez tous votre petit kit de manifestation, trop mignon, trop chou, on a déjà tout regardé. Donc voilà, tout est prévu. C'est 100 personnes maximum parce qu'on a pris une salle de 100 personnes. Parce qu'on veut quand même que ce soit intime et qu'on puisse parler avec tout le monde. Et Lou, donc, fera... Qu'est-ce que tu feras? Oui. Moi? Alors,
C'est comment tu pars, Morito? C'est une petite canette de coca, ce que j'ai vu. Une question par rapport à ça. Donc, moi, j'interviens sur tout ce qui va être médiumité et loi de l'attraction. Je vais expliquer, en fait, qu'est-ce que le destin, en fait? Qu'est-ce qu'il est possible qu'on change? Qu'est-ce qui se passe, en fait, énergétiquement? Parce que c'est vrai que la loi de l'attraction, c'est très orienté vers le fait de prendre en main sa vie et mettre en place des choses. Donc, effectivement, c'est très orienté de ce côté-là. Mais où est la place du destin? Où est la place des flammes jumelles, par exemple? Ou des âmes sœurs? Enfin, bon, moi, j'ai un peu du mal avec ces termes, mais où est la place des connexions, en tout cas sacrées, qu'on peut avoir avec quelqu'un? Voilà, moi, je vais aborder tout ce qui va être le côté médiumnique de ce côté-là et je vais faire le lien avec la loi de l'attraction. Il y a Sandra qui nous dit, j'espère que vous ferez une autre conférence. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que celle-là de prévue. Déjà, on va faire celle-là. C'est la première. Sachez que la première... C'est toujours, elle est toujours unique parce que c'est tellement fort en fait que voilà, c'est unique pour vous, c'est unique pour nous en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de venir. Alors je vais voir, il y a déjà des petites questions sur la conférence, enfin j'imagine. Laurence nous demande si nous allons aller danser. Je crois que Laurence est inscrite à la conférence. Laurence, oui, elle est inscrite. Ah oui, vous avez un groupe Telegram d'ailleurs. Il y a un groupe Telegram privé, ça y est, qui est déjà formé, dans lequel il y a les participants inscrits, confirmés, et les gens qui sont en train de réfléchir à la question. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, voilà, c'est un grand voyage, ça me fait un petit peu peur, j'ai pas envie d'y aller seule. Donc le but du groupe, c'est vraiment de parler entre vous, de voir un petit peu. Alors Lou et moi, on est là, on n'est pas tout le temps en train d'interagir, mais voilà, on est là pour essayer de vous guider un petit peu. Et le but, c'est vraiment que bah, vous voyez si quelqu'un vient de la même région que vous ou va arriver le même jour, à la même heure que vous. Est-ce que vous voulez partager le taxi? Est-ce que vous voulez partager le logement? Est-ce que vous voulez aller boire un coup tous ensemble? Voilà, c'est un petit peu ça le but, parce que sachez que dans cet événement aussi, on crée des liens et des contacts. Et ça, c'est hyper important et intéressant, parce que vous allez déjà être avec des gens qui sont comme vous, des âmes éveillées, justement. D'autre part, ils ont fait l'effort de venir jusqu'à la conférence, donc ils sont au niveau « je veux changer ma vie ». Sachez d'ailleurs que quand vous prenez votre place, ça, l'univers, il le sait. Et c'est comme les soins énergétiques. Vous savez que quand on prend un soin énergétique, il commence à faire effet dès qu'on paye le soin, dès qu'on prend le soin, dès qu'on prend la décision. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc, ceux qui vont prendre les places dès maintenant, je sais déjà que d'ici le 30 septembre, ils auront des résultats dans leur vie parce qu'ils ont pris la décision, ils ont pris du temps, de l'attention, de l'énergie, de l'argent pour s'inscrire à cette formation. Et tout ça, l'univers, c'est comme un boomerang, c'est ce que je vous explique toujours. Tout ça, l'univers, après, il vous le renvoie. Donc, c'est pour ça que c'est important de dédier un week-end sur une vie. C'est rien du tout, j'ai envie de dire. Et puis, en plus, vous allez voir, vous allez adorer, vous allez vous prendre au jeu. Il y a aussi des petites surprises qui font du bien à l'âme. Et ça, c'est hyper important. Voilà, on va aller dans la libération des traumas aussi, parce que le problème des traumas, c'est que ça nous crée des croyances limitantes. Et la croyance limitante, c'est ce qui donne nos résultats dans la vie. Donc, tout ça, c'est une histoire de subconscient. Mais on en reparlera. Donc, est-ce qu'on va aller danser au cours de la conférence? On va danser et après, on verra ce qui se passe. Et l'autre question, quelqu'un m'a demandé, Barbara, qu'est-ce que la loi de l'attraction? Alors là, Barbara, je te conseille d'aller voir tous mes reels parce que tous les jours, matin, midi et soir, je suis là avec vous pour vous expliquer ce qu'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ce n'est pas compliqué, c'est comme un boomerang en fait. Vos vibrations, ce que vous vibrez à chaque instant, à chaque seconde, c'est ce que vous allez avoir après dans votre vie. Ce que vous vibrez là maintenant tout de suite au présent, c'est ce qui va se manifester dans votre vie. J'ai fait un reel sur la physique quantique hier, il me semble, et justement, je vous explique ce qu'est un atome, pourquoi, comment l'énergie se matérialise, se transforme en matière. Ça, j'en reparle aussi dans la masterclass. J'ai fait carrément cette année, j'ai acheté un tableau pour l'expliquer moi-même, parce que la masterclass de l'année dernière, je prenais une vidéo sur YouTube, je vous l'avais montré, etc. Mais là, cette année, j'ai dit, je vais leur expliquer moi-même avec mes mots pour voir si ça passe un petit peu mieux, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, la physique quantique, mais c'est vraiment la base. La physique quantique, c'est la base de la loi de l'attraction. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, il y a Lolo qui nous dit qu'elle serait bienvenue, mais qu'elle est en Guadeloupe. Alors, c'est sûr que la Guadeloupe, ça fait loin. D'où venez ? Pour l'instant, on a des gens qui viennent de Belgique, il me semble. On a France, Belgique, Espagne. Ouais. Donc pour l'instant, on va voir si on va un peu plus loin que ça, hein, mais si vous êtes motivés, allez-y, vous allez voir, on va passer un super moment. Donc, est-ce que quelqu'un a d'autres questions sur la conférence? Qu'est-ce que l'on va faire au cours de cette conférence? Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? Pourquoi vous devriez venir? N'hésitez pas à poser les questions dans la boîte à questions. Tu peux l'avoir, toi, la boîte à questions, Lou? Alors, il y a Lolo qui parle de flammes jumelles. Alors là, on ne va pas parler de ça ce soir parce que sinon, on peut y passer des heures et c'est vraiment assez compliqué. Juste...
gros sujet. En plus, c'est Exactement, j'allais très dire ça, ouais. controversé. Et c'est très controversé. Et il y a beaucoup. Enfin, moi, personnellement, je pense qu'il faut mettre beaucoup de pincettes sur les flammes jumelles parce que combien de clientes que j'ai que ça fait 10 ans qu'elles sont dans un parcours flammes jumelles et qu'elles attendent toujours quelqu'un et qu'elles sont toujours en souffrance. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des virgules à mettre. C'est pas faux en soi, hein. C'est pas faux du tout en soi, mais il faut vraiment faire très attention J'avoue. à ce terme-là, quoi. Donc moi j'adore, hein, ça me passionne, mais c'est à prendre avec des petites pincettes, quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut tomber, et il y en a beaucoup aujourd'hui qui m'appellent, ça fait 10 ans, quand je dis ça fait 10 ans, je rigole pas du tout, hein. Ça fait 10 ans, certaines femmes qui attendent, qui ont dépensé un argent monstre pour des rituels, par exemple, des choses comme ça, et c'est difficile d'en sortir. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre Non, mais de termes. Donc j'ai de toute trois façon, termes. alors juste Lolo, si tu veux aller voir la semaine dernière, par contre, alors dans les Reels, j'ai pas eu le temps de mettre une couverture. Donc on me voit, c'est une photo où je suis avec Olivier Madelrieux et c'est là où je fais le résumé de la conférence. Ça dure 40 minutes et il a parlé de ça, il a parlé des flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle. Et je vous fais un petit résumé justement de la différence entre les trois et les grands trucs à savoir. Donc si tu veux aller voir, tu peux déjà avoir un petit peu une petite approche qui vient en tout cas de l'explication d'Olivier Madelrieux. Après, comme dit Lou, c'est vrai que c'est flamme jumelle, c'est vraiment le truc qui fait trembler tout le monde. Donc, moi, je dis toujours, cherchez votre âme jumelle. D'ailleurs, c'est ce que je dis, hein, en Espagne, on ne dit pas âme sœur. Alma et hermana, ça n'existe pas. C'est alma, gemela, on est d'accord. Donc, en fait, les Espagnols, ils ont tout compris, ils parlent tout le temps d'âme jumelle. Et nous, on parle tout le temps d'âme sœur, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est âme jumelle qu'il faut chercher, c'est celle-là la bonne. Alors j'ai vu, vous êtes là, ceux qui sont déjà inscrits à la conférence, je vous ai vu, vous venez de Narbonne, tout ça. Donc il y aura le kit de manifestation inscrit. Vous êtes encore dans les 50 premiers si vous voulez vous inscrire pour avoir ma masterclass gratuite. Vous allez avoir aussi un code promo pour la formation de Lou. Mais si vous voulez la prendre, on va en parler tout de suite. Il y a un code promo jusqu'à demain midi. Je pense que c'est maintenant ou jamais. Ah oui, on va avoir un petit stand aussi de Pierre, parce que Alchimie et Cristaux vient. C'est une personne que j'avais rencontrée, une abonnée que j'avais rencontrée l'année dernière sur un marché. Et donc, je lui ai proposé, on s'est revus à la conférence d'Olivier Madelrieux. Je lui ai dit, viens, parce qu'elle adore la lithothérapie, c'est une professionnelle. Et voilà, là où elle va avec ses pierres, avec ses minéraux. Du coup, je lui ai dit qu'on lui installerait un petit stand pour qu'elle puisse. Donc voilà, il va y avoir plein de petites choses et ce sera hyper intéressant, interactif. Et il y aura une super bonne ambiance. Voilà, ce sera vraiment quelque chose non seulement de transformateur, au cours duquel vous allez apprendre plein de choses. Parce que si en une minute, dans un reel, je vous apprends déjà les choses, imaginez en un week-end complet de tout ce que l'on va pouvoir parler. Lou, je crois que tu as prévu de nettoyer les gens. Ah oui, il y a personne. Non, écoutez-moi bien. Il y a personne qui rentre dans la salle sans que je l'ai purifié. Donc en fait, avant que vous rentriez dans la salle, on fera vous purifierez, etc. Il y a Donc là, ça personne va qui être vraiment rentre sans purifier l'ambiance, tout son sera rêve. purifié, quoi. Ça va être vraiment tout nickel. Ouais, je vais purifier l'endroit avant, après, pendant et chaque personne qui passe. En tout cas, j'ai vraiment hâte de Ouais, ça. ouais. J'ai hâte de vous rencontrer. En fait, ça va être trop cool. C'est vrai que le groupe est très animé. Donc on a un groupe Telegram. Vous pouvez tout retrouver parce que j'ai vu une question qui demandait où on peut retrouver, où on peut acheter. Vous pouvez tout retrouver dans la Oui, bio de de toute façon. Cindy, me Ce que je semble, vais hein. faire, C'est c'est ça que sur ton juste après Linktree. donc, le live, on le mettra en replay et je mettrai le lien de mon site internet où il y a la première affiche qui sort, c'est celle de la conférence. Et là, il y a tout le programme de ce que l'on va faire, où c'est les horaires, etc. Parce qu'on a déjà réservé la salle de l'hôtel, etc. Donc, pour que vous puissiez réserver l'hôtel, le transport, etc. Et je mettrai aussi ton lien à toi pour ta formation. Alors, je vais juste voir parce qu'il y a déjà plein de questions. Attendez, hein. Alors, j'adore. Il y a des questions qui partent dans tous les sens, les amours. Alors, est-ce qu'on peut arriver avant? Bien sûr, vous pouvez arriver avant, vous pouvez arriver le jeudi. Oui. Il y a des personnes qui arrivent avant, hein. Elles se sont déjà fait un petit groupe et tout. Je crois qu'il y en a une qui arrive jeudi. Oui. Il me semble que c'est Stéphanie. Qui prennent un peu du temps pour elles. Donc vous pouvez arriver le jour J ou la veille. Et enfin, je conseillerais plutôt la veille, hein, avec les avions, tout ça. Et puis il y en a qui arrivent avant et elles se sont déjà fait un petit groupe. Il reste des places, etc. Donc c'est Ouais. vraiment génial ce qui est en train de se passer, hein. Moi, je suis super, Tu super vois, contente de voir là, ça. c'est Je suis trop contente. Falbala Marbella qui nous dit je viens de Belgique. Alors, je pose la question car
L'effet boomerang, oui, bon, ça c'est Barbara, j'ai répondu à la question sur la loi de l'attraction. Il y a Stéphanie justement qui demande, est-ce que nous aurons des bols chantants? On pourrait amener les bols, on en a un chacune, hein, donc on peut les amener, il n'y a aucun souci. On vous fera une démonstration en direct. Vous nous donnez des idées, c'est pas mal. Donc voilà, les informations, vous pouvez les retrouver sur nos sites respectifs. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, d'ici là, on en reparlera d'ici le 30 septembre. Donc voilà, c'était pour faire déjà un petit peu une approche pour vous dire qu'il y avait cette conférence. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions en message privé, à aller voir sur le site internet. Si vous voulez aller dans le groupe Telegram privé, aucun problème, vous m'envoyez un MP, je vous envoie le lien. Vous y allez, vous voyez un petit peu les gens qui sont inscrits, etc. Voilà, donc ça, c'était pour la conférence. Ensuite, nous allons parler, bon, si vous avez d'autres questions, vous les posez, on les reprendra après, d'accord? Nous allons parler, ma chère Lou, de ta fameuse formation que ça fait 6 mois, ça va faire 7 mois là bientôt, que tu nous la prépares. J'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. J'en peux plus. Moi, j'en... Au bout du rouleau, hein, j'en peux plus, Damien. Moi, je prends des vacances. Je prends des vacances. Non, mais en plus, c'est-à-dire que j'ai des problèmes de site internet, donc il faut que je gère le machin, le truc. Donc, tout est bon. Tout est prêt, elle sort demain à midi. J'ai sorti un code promo de moins 30%, donc c'est énorme. J'ai essayé vraiment de faire un gros code promo pour que vous puissiez bénéficier. C'est payable en plusieurs fois. Et c'est une formation qui permet de développer ses capacités extrasensorielles. J'ai fait une masterclass gratuite que vous pouvez retrouver sur mon compte en bio qui parle des 3 piliers indispensables pour commencer à développer ses capacités extrasensorielles. Si vous êtes intéressé par la spiritualité, que vous commencez à avoir une intuition, en tout cas pour le faire de manière bienveillant déjà avec soi-même, avec les autres, et d'être un minimum ancré et protégé, quoi. Parce que c'est quand même un milieu qu'on connaît pas trop. J'ai eu une question en DM qui me disait, bah, c'est marrant, quoi, t'as vu, c'est quoi la loi de l'attraction? Et là maintenant, c'est quoi les perceptions extrasensorielles, effectivement. Commençons par le début, quoi. C'est simple, c'est comme les capacités sensorielles qu'on va avoir, donc ça va être l'ouïe, l'odorat, tout ce qui va être le ressenti, la kinésio, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? L'ouïe, tout ça. Voilà, et en fait, ça va être aller un petit peu plus au-delà, capter ce qui va être extrasensoriel. Donc capter quelque chose qui n'est pas vraiment là dans notre monde physique, mais qui va être là dans notre monde énergétique. Tout ça, ça va venir travailler sur votre intuition et développer en fait chaque capacité. Donc évidemment, j'explique tout. On développe chaque capacité avec des exercices pratiques. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous donner une information. Mais bon, ça, en fait, on peut l'avoir. Donc c'est déjà bien parce que ça regroupe toutes les informations. Et en plus de ça, moi je cherche vraiment à faire un accompagnement de A à Z au maximum avec la personne, donc qu'elle commence à pratiquer avec des personnes qui ont accepté de partager leur histoire, donc, dont toi d'ailleurs. Vous allez découvrir 5 minutes que je n'ai... Là pour le coup j'en ai jamais parlé sur les réseaux sociaux, on a fait exprès, hein. Je me suis dit bon, de quoi je vais pouvoir parler, j'avais pas envie que ce soit quelque chose, ah non je vais rien dire du tout parce que sinon c'est de la triche, donc je ne peux rien dire, voilà, je ne peux rien dire, c'est juste 5 minutes sur quelque chose qui s'est passé dans ma vie et que vous allez devoir deviner, en fait, vous allez devoir essayer de deviner avec vos perceptions extrasensorielles. Oui, en fait, mais c'est bien encadré, donc pour que vous puissiez aller sur chaque personne. Il y a des hommes aussi, donc il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes. Et puis après, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir le faire sur des lieux. C'est-à-dire que je vous donne un lieu, il y a toute une histoire qui s'est passée historiquement et qui est avérée dans les archives, hein, et vous allez utiliser vos capacités extrasensorielles pour travailler votre intuition, en fait. C'est vraiment ça qui va se passer, ça va être découvrir votre intuition, savoir comment l'utiliser, l'exercer avec des jeux simples pour chaque capacité, et puis ensuite l'exercer avec des lieux, des personnes, tout ça. Et j'offre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse voir ce qui ne va pas. Il y a un groupe aussi où il y a tout le monde réuni, où on va parler. Si jamais vous vous dites oui, mais vous, j'ai pas bien c'est important, parce le que groupe, c'est des ressenti. Voilà. Non, mais le but, c'est pas de faire une formation qu'on donne comme ça et basta, on ne revoit plus la personne. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà pris des formations et c'est super intéressant. J'ai déjà pris des formations comme ça. Il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Moi, je veux vraiment mettre l'accent sur l'accompagnement de A à Z, quoi. Donc ça s'adresse à qui, en fait. Ça s'adresse à qui, cette formation? Donc déjà, la masterclass, en fait, déjà, vous pouvez déjà accéder à la masterclass
gratuitement. Donc moi, je l'ai vu, hein, c'est 50 minutes dans lesquelles Lou justement explique comment ça fonctionne un petit peu les perceptions extrasensorielles. Elle nous parle un petit peu de ses expériences à elle, etc. Et voilà, je vous conseille la masterclass parce que ça va vous donner un bon aperçu de comment va être la formation et c'est hyper intéressant. Et en plus, c'est gratuit. Donc, allez voir la masterclass, ça ne vous engage à rien. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment développer en profondeur vos perceptions extrasensorielles, donc clairaudience, clairvoyance, attends, je vais essayer de toutes les trouver, clairolfaction, clairolfaction, ça doit être bizarre quand tu sens des trucs, je sais qu'il y a des gens, ça leur fait ça quoi. Et après c'est vraiment l'intuition, c'est la clairconnaissance, ouais. Voilà, c'était ça, non, que les informations te viennent quoi. Oui, en fait, il y a plus, tout est détaillé, il y a toutes les clairvoyances possibles, en gros, toutes les perceptions possibles en clairvoyance, et à chaque truc, j'ai fait au moins minimum un exercice, mais généralement, il y en a deux, trois, quoi, donc vous serez gâtés sur ça, pour que vous puissiez, en fait, développer chaque capacité, et en même temps, ça vous permet de savoir quel est votre canal de prédilection. Ça, c'est super important, mais je pense qu'il ne faut pas négliger les autres canaux. C'est très très intéressant ça, bon, j'en parlerai pendant 4 heures. Donc en gros, cette formation, elle s'adresse pour les personnes qui sentent qu'il y a quelque chose, qui ont de la sensibilité, voire de l'hypersensibilité, qui sentent qu'ils ont de l'intuition, qu'ils n'ont pas développé ça et qui aimeraient bien commencer à le développer pour eux-mêmes et puis pour mieux capter les choses autour d'eux. Oui, Sarah, j'ai parlé de toi d'ailleurs dans la formation, j'ai pas dit ton nom, mais j'ai parlé de ta claire olfaction qui est incroyable. Donc voilà, parce que elle, Sarah, celle qui vient d'écrire, elle sent quand il y a quelque chose qui va et qui va pas, mais elle le sent littéralement avec une odeur précise. Donc c'est hyper intéressant. Enfin, moi, ça me passionne. Du coup, c'est pour ça que j'en ai fait une formation. Et donc, ça s'adresse aux personnes qui souhaitent être accompagnées et dont ce n'est pas leur spécialité, leur métier. C'est sûr que si vous êtes médium tous les jours et que vous faites 50 consultations par jour, ce n'est pas pour vous, hein, pour être honnête. C'est pour les personnes qui débutent dans tout ça, qui ont envie d'être guidées, accompagnées, avoir un groupe, avoir un rendez-vous de coaching, s'exercer aussi, parce que c'est difficile de s'exercer avec une personne qui va t'expliquer tout après. Comme tu expliquais toi, ce qui t'a aidé au début, parce que je pense, moi, bon, voilà, j'entends pas des voix ni rien du tout, donc, mais je me dis, quand tu as ce petit truc-là, ça doit faire bizarre. Donc, effectivement, se sentir accompagné, enfin, c'est dur de trouver quelqu'un de confiance, en fait, pour en parler. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, rien que d'en parler, quoi. C'est super. C'est super difficile de trouver de quelqu'un de confiance pour en parler, surtout qu'on a l'impression d'être pris pour un fou. Bon, il y a chaque chose, bon voilà, chaque chose appartient à chaque chose, comme je dis souvent, mais en gros, c'est vrai que se faire accompagner dans ça, c'est vraiment hyper important, je pense. Moi, je me suis fait accompagner, mais c'était, comme je le dis dans la masterclass, c'était une après-midi, quoi. Après, j'ai tout fait, j'ai appris toute seule, avec plein d'erreurs qui ont joué, même sur ma santé des fois, hein. Plein d'erreurs, et encore aujourd'hui j'apprends tous les jours, et c'est vrai que donner un apprentissage sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la méthode de protection, parce que le principal en fait, pour tous ceux qui sont là, c'est savoir se protéger. Déjà c'est bien, c'est important de savoir être ancré, faire les choses avec amour, sincérité, authenticité, savoir se protéger. Déjà, si vous avez ça, vous avez la moitié du chemin. Le reste, il suffit de pousser. Ouais, bah c'est comme, tout dans la vie. En fait, il faut s'entraîner. Quoi. C'est comme si tu commences un sport, il faut t'entraîner pour avoir des résultats, en fait. Totalement. Tu vois, il y a une école, dont c'est toi qui m'en as parlé en premier, en plus, une école de clairvoyance où ils apprennent aux enfants. C'est une école qui est au... J'en parle dans ma formation. Qui est, elle est au UK. C'est quoi ça ? Voilà, Royaume-Uni. Et du coup, en fait, ils bandent les yeux des enfants et ils leur apprennent à utiliser leurs autres perceptions. Et petit à petit, ça se développe tellement bien que la carte est comme ça et ils savent ce qu'il y a derrière la carte. Donc, ils ne voient pas la carte. La carte est comme ça. Et que vous qui pouvez la voir. Et ils voient ce qu'il y a derrière la carte. Donc, ça se développe très bien. Pour moi, c'est beaucoup de pratique. Après, je vous avoue totalement qu'il y a une sensibilité à avoir. Il faut être sensibilisé sur le sujet. Si vous êtes cartésien, que c'est 1 plus 1 égale 2 et que vous êtes très bien comme ça, c'est OK aussi. Tout est bon dans la vie, moi, je pense. Tu parles aussi du matériel, ouais. Non? Ah oui, le matériel. Il y a 10 modules de plus, non? Le matériel à 20. Ah, non, mais il y a énormément de modules. On est à plus de 10 modules. J'ai un soin aussi. J'ai plein de bonus.
J'ai un soin pour débloquer les capacités extrasensorielles. Ça fait des heures et des heures de vidéos. Enfin voilà quoi, vous êtes bien, il y a du volume quoi dessus. Et encore, aujourd'hui je vous dis ça, mais j'ai pas mis toutes les vidéos encore là. Donc d'ici demain j'en rajoute plein. Et donc je pense qu'on va être sur On va être beaucoup sur une nuit d'heures blanche. de formation. On va être sur une nuit blanche. En plus, on m'a proposé d'aller bruncher demain. Écoutez bien, moi, ça. À quelle heure Heures elle du m'a proposé d'aller matin. bruncher? Mais comme À ça, on a toute 9h. la journée devant nous, tu vois. On peut bruncher pendant 2-3 heures et Donc voilà, après, vous avez tout. faire autre chose. Donc vous avez tout qui est disponible dessus. Et voilà, moi, je trouve ça. En fait, j'aurais aimé avoir ce type de produit. Si je crée un produit, quel qu'il soit, même si demain je crée un t-shirt, c'est un t-shirt que moi Ouais, j'aimerais bah porter là, ou que je moi suis j'aurais tout à aimé fait porter d'accord. dans une certaine condition. Sinon, pour moi, ça n'a pas d'intérêt de faire juste des produits pour des produits, quoi. Moi, je veux être alignée en termes d'authenticité, de sincérité, d'amour, de bienveillance, parce que tout est une question d'amour, en fait. Même dans la formation, je l'ai fait avec amour. S'il y a des trucs que vous trouvez qu'il faut changer, vous m'envoyez des messages, on voit ensemble, je change les modules s'il faut. Moi, je pense que c'est bon, hein. Mais en plus, vous avez accès à vie. Donc, toutes les améliorations que je vais faire, sachant que c'est déjà bien achalandé le truc, toutes les mises à Voilà, jour que je vais en faire, fait, vous pouvez y avoir accès chaque fois que tu sans vas aucun une... souci. Ah, je vais y arriver. Chaque fois que tu vas mettre à Mais oui. jour, les gens, en fait, dès qu'ils se reconnectent, ils ont la mise à jour. Ils n'ont pas besoin de racheter la formation ni rien du tout. Il y a Corinne qui... On Vraiment. regardera après. Corinne, envoie un Ah message à Lou parce qu'elle disait qu'elle n'arrivait pas à se connecter à ta vidéo, mais peut-être qu'elle n'a pas... Elle a pas le bon lien, peut-être. oui. Envoyez-moi des messages si vous avez des questions en particulier ou posez-les là maintenant. Pour ma vidéo, vous la retrouvez en bio. Il y a marqué masterclass gratuite. Il suffit juste de vous créer un compte et après vous avez accès à la Alors, il y masterclass. a, je suis en train de regarder les questions en même temps. Donc là, on parlait de la conférence avant et on parlait surtout de logistique. Donc en fait, la logistique, on la traite vraiment dans le groupe Telegram. Voilà, je vous dis un petit peu les hôtels. Bah, l'hôtel, il est à tel endroit, il est à 10 minutes à pied de la zone de fête. Il est à tant de kilomètres du taxi. Voilà, tout ça, la logistique, on la traite vraiment sur le groupe Telegram privé. Donc n'hésitez pas à envoyer un message. Alors, si je ne vous réponds pas ce soir, j'essaierai de vous répondre demain. J'ai déjà vu que j'avais des DM en retard de cet après-midi, mais je réponds à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Donc, pour en revenir à ta formation, c'est mieux de commencer par la masterclass, comme ça au moins on voit un petit peu si c'est pour nous. C'est ça? Je pense, ouais. Moi, ce que je conseillerais, passez par la masterclass, comme ça vous voyez un petit peu les trois piliers indispensables. Vous regardez, parce que je détaille tout le contenu de la formation, vous voyez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si ça vous plaît. Vous prenez attention, le code privilège, ça s'appelle, c'est moins 30%, vous pouvez payer en plusieurs fois Ouais, donc là, et il faut quand même se s'arrête demain dépêcher parce midi. que demain midi, ça va venir Voilà. vite et après, ce sera prix normal. Après, c'est le prix normal, c'était le prix de lancement, donc je l'ai lancé mercredi, je crois. Ouais, c'était mercredi, je l'ai lancé. Donc, du coup, il reste pas beaucoup de temps. J'ai essayé de bien communiquer dessus pour que vous sachiez tous qu'il y avait un coupon, Très quoi. bien. Mais Eh voilà. bien, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions, que ce soit sur la conférence ou sur la nouvelle formation de Lou sur les perceptions extrasensorielles. C'est marrant parce qu'au début, je disais à moitié jour et maintenant, on Oui. voit, il fait nuit, c'est beau derrière toi. Il fait nuit hein, chez moi aussi, bien évidemment, mais moi, comme j'ai les rideaux, ce n'était pas pareil. Et pour finir, je voulais vous dire que la nouvelle masterclass est en train est en cours, elle est en cours, ça y est, elle est tournée, l'e-book est fini. Je crois que là, je peux. Il y aura toujours des trucs à dire, mais là, je crois que je suis au maximum en termes d'informations parce que j'ai même regroupé en fait toutes vos questions que vous m'avez posées en DM, en message privé, etc. Ou dans les stories. À chaque fois que vous m'avez posé des questions, j'ai tout regroupé dans la nouvelle masterclass. Donc, il y a une foire aux questions, etc. Donc là, vraiment, je crois qu'on est au maximum. Je vous ai mis les liens des reels pour avoir des idées de mantras pour l'abondance, pour l'amour, pour la santé, etc. Voilà, la vidéo est totalement nouvelle puisque je l'ai retournée complètement. Puisqu'il faut savoir que la masterclass qui est à l'heure actuelle, c'était le replay d'une masterclass que j'avais donnée en direct avec des participantes. Là, c'est plutôt sous forme de formation. Alors, c'est interactif, hein, je vous parle, je vous demande de faire des choses, etc. Pour pas vous endormir non plus devant la vidéo. Comme d'habitude, c'est une vidéo à laquelle vous allez pouvoir avoir accès à vie aussi. Donc, vous pouvez l'avoir autant de fois que vous voulez, une demi-heure par une demi-heure, heure par heure, les 4 heures d'un coup. Je pense qu'elle fera 4 heures. Je vais essayer de ne pas dépasser, mais le tournage a duré plus de 4 heures. J'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, et pourtant, vous savez que je parle vite, hein. Mais bon, même comme ça, il y a beaucoup de choses à dire. La masterclass sur la loi de l'attraction, c'est vraiment pour que vous compreniez
comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, parce qu'il n'y a pas que la loi de l'attraction, il y a 13 autres lois universelles à connaître. Je vous parle de mes expériences perso, je vous mets les résultats, quelques résultats des participants à l'ancienne masterclass. Voilà, je vous parle, je vous donne tous les trucs et astuces que je connais qui ont fonctionné pour moi, en combien de temps, enfin bref. Je vous donne la totale, elle sera au même prix que la masterclass actuelle à 29,99€. Sachez que, franchement, si je devais mettre la valeur totale, moi, j'ai mis 3 ans et demi à regrouper toutes ces informations. Mais tu vois, c'est comme tu dis, toi, moi, j'ai créé le produit que j'aurais voulu trouver il y a 3 ans, en fait. Parce que j'ai voulu lire les livres, voir les films, écouter les témoignages, faire mes propres expériences, rater, recommencer, jusqu'au jour où ça a fait tilt. Mais pour que ça fasse tilt sur la loi de l'attraction, je vous jure, j'ai eu des dizaines de mentors. J'ai eu des dizaines de mentors. C'est le tilt, en fait. C'est le tilt qui est hyper intéressant. Non, elle est très douée dans ça. Même moi, quand j'ai des, comment on appelle ça, des questionnements, je lui demande par rapport à la loi de l'attraction, parce qu'elle est hyper douée. Et ce qui me parle le plus quand tu parles de toutes les lois, là, c'est la loi de la vibration. Moi, c'est celle qui me parle le plus et dont on a parlé ensemble. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la loi de l'attraction, les capacités extrasensorielles, ce que vous ressentez, le live, je vais voir. Attends, j'ai vu. Ouais, parce que j'ai vu passer une question dans les commentaires, mais ça va tellement vite que c'est pas évident. Sera-t-elle accessible à ceux qui ont pris l'ancienne formule? J'imagine que c'est sur la nouvelle masterclass. Elle sera, comme je vous l'ai dit, elle sera au prix de 29,99€. Donc, c'est une nouvelle masterclass. Donc, c'est un nouveau produit. Donc, ceux qui ont acheté la première auront encore accès à la première, bien évidemment. Elle sera toujours en ligne. Elle ne disparaîtra pas. Et je vous dirais que vous pouvez faire la deuxième, clairement. Vous pouvez faire la deuxième parce qu'elle est remixée. C'est des exemples nouveaux, c'est des nouveaux résultats, c'est plus approfondi. Donc voilà, l'e-book a été aussi remasterisé, j'ai envie de dire. La base est la même pour l'e-book, mais j'ai rajouté vraiment plein de choses. Donc franchement, je vous conseille. En plus, sachez que, je vous le répète toujours, la répétition, c'est ce qui va vous permettre de changer votre subconscient. Donc clairement, si vous pouvez, faites la nouvelle masterclass aussi, parce que ça va vous pénétrer dans le subconscient, quoi. Vous allez encore m'entendre pendant 4 heures, vous rabâcher, vous expliquer la science avec mon petit tableau, je vous fais des schémas et tout. Donc voilà, c'est intéressant de la faire également, parce que je vous dis, pour le prix, c'est vraiment une formation qui vaudrait beaucoup plus, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère qu'il y ait plein de gens qui puissent y accéder. Et pour le prix, vous allez voir que ça va vraiment… si vous l'appliquez après dans votre vie, c'est clair que ça va avoir un impact énorme. Allez voir les stories à la une sur mon compte Instagram, 100 avis, 200 avis, 300 avis. J'ai déjà ouvert le fichier 300 avis parce que les gens ont des résultats. Donc voilà, la loi de l'attraction, elle fonctionne. Il faut juste savoir comment s'en servir. Et des fois, c'est pas facile. Ouais. Non, c'est pas facile surtout de la tenir. Exactement. Quand tu as des émotions. C'est-à-dire que l'humain, il fluctue et le plus difficile, c'est de la tenir. C'est pour ça que je pense que la répétition, elle est intéressante dans ça, parce que tu te rappelles à chaque fois, tu te dis, enfin, quand je lis un bouquin qui parle de ça ou quoi, je me dis, ah, mais oui, c'est vrai qu'il faut que je le voie comme ça et pas comme ça. Donc, c'est un travail de, enfin, la loi de l'attraction, être dans des énergies d'attraction, c'est vraiment. Ouais, non, mais de chaque instant, de chaque seconde, hein, limite. Hein. De toute façon, tous mes mentors le disent, c'est vraiment être en conscience. Passer du mode inconscient au mode conscient, au mode. Ah oui, attends, là, je ressens une émotion. OK, pas de souci, hein, on peut la vivre, l'émotion. Je vais faire un chapitre entier là-dessus. On peut la vivre, il n'y a aucun souci, justement. Mais il faut l'accepter, il ne faut pas être en lutte, parce que sinon, on n'est pas dans les bonnes vibrations. Et c'était Olivier Madarieux, il y a 2 semaines, lors de la conférence, il a dit une phrase. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je vais certainement la déformer, mais c'était quelque chose comme les problèmes, je vais y arriver. Quand il vous arrive des problèmes dans votre vie, en général, c'est parce que vous êtes déconnecté de votre être subtil. Voilà, c'était quelque chose comme ça. C'était parce que vous avez oublié vos racines spirituelles. Et c'est exactement ça, en fait. C'est quand on a un problème et qu'on est dans l'émotionnel, qu'on est dans le « ouh, qu'est-ce que je vais faire ?», etc., c'est là où on en oublie que c'est nous qui l'avons tiré à nous. Il y a une leçon derrière, il y a quelque chose à transcender, à évoluer, à faire évoluer. Donc voilà. J'ai vu aussi passer une question, quelqu'un qui me demandait si vous allez recevoir le lien pour la nouvelle masterclass ou si vous devrez aller la chercher sur mon site. Je pense que quand je ferai le lancement, j'enverrai un email. Si vous êtes inscrit à ma newsletter, j'enverrai un email à toute la base de données pour que vous puissiez, pour que vous soyez au courant que ça y est, c'est bon, elle est sortie officiellement. Donc si vous n'êtes pas encore dans la base de données,
dans mon lien en bio. C'est sur mon site internet, c'est le premier, je sais pas comment on dit, le premier truc qui sort. Inscrivez votre email pour recevoir les extraits et vous inscrire à la newsletter. Vous mettez votre email ici et automatiquement, vous recevrez les prochaines newsletters. Donc voilà, si vous voulez être au courant de la date de sortie, je ne sais pas, je vais essayer de mettre 15 jours max. J'aimerais bien qu'elle sorte pour le 1er mai. Voilà, j'ai envie qu'elle sorte pour le 1er mai, donc je vais tout faire pour qu'elle sorte le 1er mai. Alors, on a une question. La répétition fixe la notion, oui. Penses-tu que c'est un mode de vie, la loi de l'attraction? Yeah. Totalement, c'est un lifestyle. D'ailleurs, j'utilise ce mot-là lors de la masterclass. C'est vraiment une façon de vivre, de voir les choses différemment. C'est un peu comme le Ho'oponopono. Voilà, une fois qu'on commence, après, comme je vous dis, c'est une répétition. Donc, en fait, tous les jours, vous allez faire votre petit mantra. Tous les jours, vous allez être dans la gratitude. Et c'est une autre façon de voir la vie. Voilà, on voit la vie avec un petit peu plus de magie. C'est plus pétillant, c'est plus... Voilà, on laisse l'inconnu entrer dans notre vie. Franchement, ça change la vie. Moi, ça me l'a changé. Moi, je parle depuis l'expérience. Donc, moi, ça a totalement changé ma vie. D'ailleurs, quand les gens me disent des fois, mais alors, du coup, tu as des résultats? Ça, c'est les gens, je me dis, mais... En général, sachez que je n'accepte jamais les gens toxiques sur tous mes réseaux sociaux. Donc, quand quelqu'un vient me dire « oui, ça ne fonctionne pas », bloqué. Et je n'ai absolument aucun scrupule à le dire. Chez moi, dans mes réseaux sociaux, c'est comme chez moi. Et si vous rentrez chez moi, c'est parce que bah, vous êtes bien avec moi, en fait. C'est comme si je vous invitais. Allez, on est tous entre amis, parce que c'est ça, une communauté. On est tous entre amis, on est bien, on parle de choses qui nous intéressent. Et puis là, il y a quelqu'un qui vient, qui rentre sans frapper et puis qui se met à crier sur tout le monde. Non, c'est comme là, quand on est en live, bienveillance. Parce que moi, si j'estime que je suis dans la bienveillance, on n'a pas à venir chez moi à dire des choses comme ça. Donc, les gens qui n'y croient pas, il n'y a aucun souci, mais ils n'y croient pas de leur côté. Moi, les gens toxiques, etc., je les laisse le plus loin possible de moi. Donc voilà. Donc, en plus, la loi de croyance fait que si vous ne croyez pas à la loi de l'attraction, ça ne va pas fonctionner pour vous. Donc, en fait, l'univers, il est tellement bien fait qu'il va toujours vous donner raison. Si vous ne croyez pas à la loi de l'attraction, vous allez attirer à vous, tel un boomerang, des situations, des personnes, des choses qui vont faire que vous allez confirmer cette croyance que ça ne marche pas. Donc, c'est ça qui est hyper, c'est ça qui est hyper magique. Moi, j'adore la loi de l'attraction. C'est vraiment, une fois qu'on a compris le truc, c'est génial. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lou? Bah écoutez, moi, je suis ravie de rebondir sur vos questions, même en termes de voyance ou des choses comme ça. Moi, j'adore. Non, mais c'est vrai, moi, me lancez pas sur des sujets. Donc, est-ce que tu as des questions, toi, dans la fin de ta question? Oui, c'est pénible, ça. Bah, il y a beaucoup de choses sur la logistique de la conférence. Donc, où se trouve l'hôtel? Est-ce qu'il est loin du centre? Est-ce qu'on peut arriver avant? Est-ce qu'on a, nous, des suggestions pour aller manger, etc.? Donc, tout ça, c'est déjà dans le groupe. Et puis, en plus, la logistique, on en parlera un peu quelques mois avant. Par contre, les commentaires... Je ne les vois pas parce que les gens posent des questions. Les dans les commentaires. Posez des questions. Si vous avez des questions urgentes, parce qu'on a dit qu'on ne voulait pas que ça dure trop longtemps, si vous avez des questions urgentes, mettez-les dans la boîte à questions, comme ça on peut les voir plus facilement. Alors, il y a pas mal de gens qui demandent pour le lien. Donc, les liens, on va les mettre de toute façon dans notre lien en bio. Alors, il y a des gens parfois qui me demandent c'est quoi le lien en bio. En fait, sur notre compte Instagram, à l'une et l'autre, juste en bas de notre profil, il y a un petit lien. Et si vous cliquez dessus, en fait, ça vous amène directement à notre site internet. Mon site internet et le site internet de Lou. Et sur nos sites internet, c'est là où vous allez avoir accès à tout. Moi, en général, le premier petit truc que vous tombez, c'est l'encart pour pouvoir mettre votre email. Juste après, il y a les places pour la conférence. Juste après, il y a la masterclass. Et après, ce sont mes livres. Et pour Lou, il est fait comment ton site à toi? On tombe sur quoi? Pareil. En fait, en bio, c'est généralement je mets les liens dans ma story, mais sinon en bio il faut cliquer sur le Linktree et il y a tout ce que vous voulez. Il y a Géraldine Martins qui nous dit j'aimerais bien essayer mais ça me fait peur. Je pense que tu parles de capacité extrasensorielle. En tout cas, tu peux nous le confirmer. Ça fait toujours peur si tu es bien ancré, si tu es bien protégé, si tu es bien ancré avec toi-même. Il n'y a pas la place à la peur parce qu'il n'y a que la place à l'amour, donc il n'y a pas vraiment de souci, tu vois. Et c'est une question de tester. De tester, je t'invite à vraiment faire ma masterclass gratuite parce qu'elle va te permettre de t'ouvrir à ça, surtout de t'ancrer. Et je vous conseille de la faire quand vous êtes calme, posé, etc. parce qu'il y a un petit exercice de respiration de 4 minutes, donc ça va, mais de la faire quand vous êtes calme.
J'en ai plein qui m'envoient des messages aujourd'hui. Oh, ça fait la deuxième, troisième fois que je la Ouais. regarde et tout. J'étais trop surprise. Il y en a qui la regardent, notamment Stéphanie, qui je crois est sur le live, qui l'a regardée pour prendre des notes, etc. Donc, normalement, d'après les retours que j'ai, le contenu est pas mal. Mais si besoin, vous pouvez me faire des retours, j'améliorerai au fur et à mesure. Mais normalement, déjà, la masterclass gratuite de Oui, 50 minutes, je c'est pas confirme, mal quand même. je l'ai vu. Mais les Ouais. personnes inscrites. Ah, tu l'as vu. Oui, c'est vrai, je t'ai Oui, demandé de mais la je regarder. J'ai l'ai un peu vu, je l'ai insisté vu. quand même. Non, mais elle est très bien, elle est très bien. Même les petits visuels et tout, c'est hyper bien fait. Enfin, j'essaie de faire les choses bien quand même, un minimum. Mais les personnes inscrites, donc Stéphanie me demande si les personnes inscrites à la conférence ont droit à la réduction. Oui, J'ai pas compris la phrase. les 50 premiers ont Pourquoi? accès et il me semble qu'on avait dit 20%. Donc là, en fait, Non, le mais. code privilège, c'est 30% et c'est jusqu'à demain midi. Et après, les gens qui sont inscrits à la conférence, les 50 premiers ont donc ma masterclass gratuite et 20% sur ta formation. Oui, c'est exactement ça. Donc, si vous voulez l'apprendre, c'est maintenant. J'ai essayé de vraiment casser le prix pour que ce soit beaucoup plus abordable maintenant. Donc, Exactement. voilà. Et les 20%, Tout c'est à que pour les fait. personnes de la Et alors, attends, j'ai vu une autre conférence. question. Donc, quel est le groupe Telegram? Pareil, beaucoup de questions de logistique. Le groupe Telegram, je mettrai le lien. Le problème, c'est que quand je mets dans les descriptions, c'est pas. Vous pouvez pas y accéder directement. Donc, au pire, vous m'envoyez un message privé, comme ça, moi, je vous l'envoie directement. Et sinon, de temps en temps, je le mets en story aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir les stories, à suivre les stories. C'est là où je mets tous les liens en général pour la place pour la masterclass, quoi, pour la conférence. Je mets la story avec le lien. La place pour, je vais y arriver, l'accès à la masterclass, c'est ce lien-là. Et je vous mets les petits liens, dans les stories. Mais sinon, message privé, vous compliquez pas. Si vous voyez que vous ne trouvez pas, message privé et nous, on va passer, la nuit. Non, je rigole. La soirée et demain, on vous répondra. La nuit, non, parce qu'il faut qu'elle finisse de uploader, de télécharger tous les petits trucs qui lui manquent. Non, mais tout y est. Oh, C'est juste qu'il manque j'adore la deux, trois question. trucs, tout y Comment est. savoir si on a Donc, un don médiumnique? alors déjà, moi, je parle, déjà, en prime abord, je parle de sensibilité, hein. Donc, c'est une sensibilité à l'extrasensoriel. Comment le savoir? Déjà, tu as une intuition qui est forte. T'es bien, on va dire, tu peux prévoir certains petits trucs où tu as une intuition. Déjà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, pour savoir si tu as vraiment un don médiumnique, donc vraiment aller au fond du truc de la médiumité, parce que avoir une intuition, avoir des capacités extrasensorielles, c'est différent d'être médium, hein. Même si le médium a des capacités extrasensorielles, tu vois. Quand tu as des capacités extrasensorielles, tu captes des choses qui ne sont pas là, tu vois des choses qui ne sont pas là, etc. Tu entends, tu captes. Donc c'est le début de la médiumnité. Et la médiumnité, ça va vraiment être pour la connexion avec l'au-delà, en fait. Un médium, c'est un peu un téléphone qui relie la ligne d'en bas de notre monde à la ligne d'en haut et qui peut capter des défunts. Il ne capte pas tout le médium, mais il a une petite lucarne où il peut voir certaines choses, en gros. Donc si tu vois souvent des défunts, des choses comme ça, ou que tu as vraiment une bonne connexion, généralement c'est le don médiumnique. Et puis si déjà tu as une intuition, c'est quand même dans des capacités extrasensorielles. Et ça, en fait, tu peux le développer, tu peux un peu pousser, tu peux aller plus loin, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui me passionne. Je fais ça de 9h à 23h, sans week-end. Donc là, il serait temps de me mettre des week-ends. Mais pour l'instant, oui, j'adore. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que tu as une autre question par rapport à Alors, ça? N'hésite pas. Amandine qui nous dit juste un petit message pour vous dire que je fais la masterclass de Lou ce soir. Je pense que c'est le bon moment justement. De toute façon, on a dit qu'on n'allait pas, tu vois, ça fait 3 quarts d'heure, pile poil, c'est le temps qu'on s'était donné. Donc, on va vous laisser le temps d'aller voir la masterclass de Lou ce soir pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, accéder à sa formation avec le code privilège d'ici demain midi. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Et voilà, pour voir si vous avez envie de développer vos perceptions extrasensorielles. C'est quand même 6 mois de travail. Donc, je pense que là, elle a tout Non, donné. Elle a mais tout je donné. suis contente. En fait, c'est un accouchement. Non, mais t'es d'accord avec moi? Toi qui me vois tous les jours de ma vie. Enfin, tu me vois pas, mais on parle tous les jours et on se voit tous les 3 jours. Vraiment, quand vous sortez votre bébé, mais que ce soit dans ça ou dans autre chose, c'est un accouchement. Surtout qu'à côté, j'ai 40 heures
de travail à côté, plus mes consultations Instagram, et plus ça, ouais. C'est vraiment une consécration de Non, mais en plus, fou elle est super jolie, vraiment, elle est super belle, j'ai fait avec la formation, et voilà, il y a plein de choses, il y a des modules, il y a plein de bonus, il y a un rendez-vous avec Lou, donc franchement, voilà, et un groupe Telegram, ça, c'est un groupe privé, c'est bien et tout, donc franchement, voilà, il y a tout pour que vous puissiez développer vos perceptions extrasensorielles. Si vous avez des questions, on va vous laisser là, si vous avez des questions, t'as quelque chose à ajouter, Lou, ou c'est bon? Il n'y a plus de questions. Non, donc que je vous voilà, embête on pas. Va vous mettre toutes les descriptions possibles dans justement la description de ce live. Et sinon, bah, envoyez-nous des petits messages et on vous répondra entre aujourd'hui, demain, pour répondre à toutes vos questions. Voilà les amours, donc on vous fait des gros bisous, on vous remercie d'avoir été avec nous. On espère que vous viendrez en septembre pour nous voir en chair et en os et passer un super week-end ensemble et apprendre plein de choses sur justement sur la médiumnité, sur la loi d'attraction, comment manifester la vie de ses rêves, etc. Moi, j'ai réussi, donc si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir, je peux vous l'assurer, parce que l'année dernière, je me disais comment je vais faire et à l'heure actuelle, je me dis merci univers. Voilà ce que je dis tout le temps, merci univers. Donc voilà. On vous fait des gros bisous, on vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à aller voir la masterclass de Lou gratuite dès ce soir et les questions en message privé. Bisous à tous. Ciao. Bisous. Ciao.